Nous présentons des objets qui racontent un peu la chronologie d'occupation de Saint-Martin par les peuples amérindiens, avec dans cette première partie de vitrine les objets les plus anciens qui ont été découverts près de Grand Case, autour de l'étang, un endroit qu'on appelle Norman Estate, et ce sont des objets qui ont été datés de 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors ce sont essentiellement des accumulations de coquillages qui ont été découvertes puisque ces populations se nourrissaient de pêche et de chasse, donc ils ramassaient ces coquillages probablement dans l'étang de Grand Case qui était ouvert sur la mer, qui était une grande mangrove, un écosystème très riche avec des crabes, des oiseaux, des hérons, des oiseaux marins, des canards, etc. et également des poissons à l'intérieur de l'étang et ces coquilles donc qui étaient consommées en grande quantité qu'on retrouve accumulées puisque la coquille est un élément dur qui a persisté au cours des âges. On a retrouvé aussi des sortes de galets volcaniques présentant des petites traces d'éclats qui prouvent qu'ils ont servi de percuteurs. Quelques éclats de silex également, ces silex qui étaient importés de l'île d'Antigua, hein, qui remontaient jusqu'à Saint-Martin. Et puis des arêtes de poissons, des restes alimentaires de ce qui était consommé par ces populations. Ensuite arrivent dans cette partie ici les premières céramiques dont on a des exemples aussi sur les panneaux. Ce sont les fameuses céramiques qui datent de 500 ans avant Jésus-Christ, qui elles ont été découvertes sur le plateau de Bopesté, qui est un site à l'intérieur des terres, sur une petite colline bien plate, sur lequel s'est installé le premier village construit amérindien, avec des populations qui étaient agriculteurs, qui plantaient donc du manioc, de la patate douce, du roucou, du coton, de l'ananas, etc. Et on retrouve donc essentiellement des céramiques qui caractérisent ces peuples, qui sont décorées avec des petites incisions curvilignes, des ponctuations, également des figurines animales qui étaient sur le bord des plats. Très peu de peinture, hein, rarement de la peinture rouge, parfois un engobe blanc autour de certains pots qui étaient fabriqués avec du coquillage écrasé, du coquillage pilé. Ces céramiques comptent parmi les plus anciennes datées dans toute la Caraïbe. C'est ce qui a vraiment provoqué l'intérêt scientifique du site de Hope Estate. Et c'est pour cela qu'on a étudié ce site à Saint-Martin sur pratiquement 10 ans. Chaque année, des équipes d'archéologues venaient compléter un peu les informations. C'est un site qui s'étend sur 2 hectares et qui a été occupé pendant une très longue période. Donc, ces céramiques sont celles qu'on trouve à la base des couches archéologiques les plus anciennes, datées de 500 ans avant Jésus-Christ. Donc en 1492, Christophe Colomb donc, atteint Hispaniola et vient finalement, en passant par l'ouest, arrive au large des Antilles, dans une île qui s'appelle, qu'il va baptiser Hispaniola, aujourd'hui qui correspond à l'île d'Haïti et de la République dominicaine. Et là, il y trouve, alors si on pouvait juste avancer le diaporama, il y trouve donc des Amérindiens. Et pour commencer donc cette conférence, donc cette citation de Montesquieu dans l'Esprit des Lois en 1788, donc les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s'en servir à défricher tant de terres. Donc on passe à la diapo suivante. Montesquieu, dans cette citation très connue, nous explique que les Européens ont exterminé les Amérindiens et ensuite les ont remplacés par les Africains. Alors, cette citation est un peu rapide et ce qu'il faudrait, c'est en tant que historien expliquer quel a été le processus et le mécanisme finalement
du remplacement des Amérindiens par des esclaves africains des Antilles. Et lorsqu'il explore cette île, ce qui le frappe, c'est une population très nombreuse. On estime qu'il y a environ 1 million d'habitants à cette époque-là. La deuxième chose aussi qui l'intéresse, c'est qu'il y a de l'or. Et il va exiger, donc diapo suivante, il va exiger des Amérindiens de lui payer un tribut équivalent donc à une pièce d'or. Donc voilà, nous avons ici l'île d'Hispaniola. Hein, c'est l'île, donc vous avez Cuba, donc la Floride, Cuba et l'île d'Hispaniola un peu en dessous, donc est formée de Saint-Domingue et de Santo Domingo. Voilà, donc ici. Alors, diapo suivante. Donc, lorsque Christophe Colomb accoste sur cette île, il va très rapidement se rendre compte donc qu'il y a un peu d'or. Et il va pousser la population à produire de l'or. Dans le même temps, pour assurer cette conquête, des opérations militaires, des massacres sont menés. Et l'autre élément, c'est que les Espagnols, avec la colonisation, vont introduire des grands mammifères qui n'existaient pas dans cette île, à savoir des chevaux, des bovins, des moutons, des cochons, et cela va déstructurer aussi l'écosystème parce que ces animaux donc se nourrissent d'un nombre de végétaux conséquent au détriment des Amérindiens qui eux se nourrissaient à la fois donc des végétaux qu'ils cultivaient et de pêche, de chasse, mais de chasse d'oiseaux ou de tout petits mammifères. Et donc, il va y avoir une déstructuration complète de l'écosystème par l'arrivée des Espagnols et des animaux domestiques qui les accompagnent. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, l'obligation pour les Amérindiens de donner de l'or, eh bien, va entraîner le fait qu'ils travaillent beaucoup moins pour cultiver, de quoi se nourrir. Et donc, on va avoir une population beaucoup plus fragile qui va être confrontée aux épidémies. Donc, c'est un cycle infernal de guerre, famine, maladie qui va se mettre en place. Donc, les épidémies vont frapper énormément la population à tel point que pour l'île d'Hispaniola, de 1 million d'habitants en 1492, bon, c'est une estimation, mais le nombre en 1570, donc une chute très faible de la population. D'autres îles telles que Cuba voient leur population fortement diminuer, de 200 000 à 270 foyers de population, un foyer comprenant en gros 4-5 personnes. Donc on assiste à une diminution, et cette diminution de la population va être fortement condamnée, notamment par Las Casas, et très rapidement, donc, les Amérindiens vont être par le roi d'Espagne, enfin, bon, ils sont plus très nombreux à être protégés, et leur mise en esclavage. Hein, Christophe Colomb, d'ailleurs, avait eu le projet, il avait d'ailleurs commencé, de vendre des esclaves amérindiens en Europe. Hein. À partir de 800 après Jésus-Christ, des cultures caribéenne commence à se développer à partir des descendants des premiers saladoïdes qui sont installés dans les îles de la Caraïbe, et on voit apparaître un foisonnement de décors sur céramique un peu différents suivant les îles, à Sainte-Lucie, à Porto Rico, en République dominicaine, et donc de nouveaux styles apparaissent comme hélénoïdes, ostionoïdes, tout un tas de noms en oïdes donnés par les archéologues. Donc ici se trouvent des exemples de ces céramiques qui viennent de différents lieux à Saint-Martin, puisque à partir de 800 après Jésus-Christ, quasiment chaque plage de Saint-Martin va être occupée par des villages ou des sites d'occupation temporaire par les Amérindiens. Ce sont des céramiques qui portent des symboles d'animaux qui sont beaucoup plus caribéens et moins Amérique du Sud, moins d'origine continentale.
Et ici se trouvent également les céramiques qui ont appartenu aux derniers Arawaks qui ont vécu à Saint-Martin, qui étaient affiliés aux Taïnos des Grandes Antilles. Et ces objets proviennent du site de Baie Rouge, juste sur le parking à l'entrée de la plage de Baie Rouge. On a effectué des fouilles qui ont montré que des hommes habitaient encore là entre 1350 et 1550 après Jésus-Christ. Sachant que Christophe Colomb est arrivé en 1492, des Espagnols ont très bien pu rentrer en contact avec ces populations. Alors les matières premières utilisées pour la fabrication des outils étaient des pierres. Ici on retrouve des roches un peu grisâtres qui ont été altérées avec le temps, qui ne se trouvent qu'à Saint-Martin. Et ces types de roches étaient utilisés pour fabriquer des haches ou des marteaux, des outils lourds qui étaient emmanchés sur un pic en bois. Ces roches se retrouvent jusqu'en Martinique et se retrouvent jusqu'à Porto Rico, ce qui prouve encore des échanges qui avaient lieu dans les îles pour les matières premières. Ils utilisaient également le coquillage pour fabriquer des parures, des colliers, mais également les fameuses gouges en lambis, des sortes de ciseaux à bois fabriqués dans la lèvre du lambis avec un bord aiguisé pour pouvoir creuser les pirogues ou travailler le bois. On voit également des objets symboliques ici de forme un petit peu d'une montagne ou d'un volcan qu'on appelle les émis, qui sont des symboles de religion qu'on retrouve dans ces périodes, et des céramiques simples ou décorées. Ici, un bord de platine à manioc, c'était des grands disques circulaires sur lesquels on faisait cuire la cassave, la galette de manioc. Ici, des morceaux décorés de figurines anthropomorphes à tête humaine. Ici, une tête de pélican, une tête de tortue, donc des animaux qui se trouvaient dans l'environnement et dans l'écologie des îles de la Caraïbe.